On a eu une semaine un peu compliquée au niveau de l'effectif, de l'organisation. On a été gentiment aidé par les clubs de l'Entente. Donc on s'est resserré autour de ça et une bonne organisation, ça nous a permis de rendre une copie propre avec ce qu'on était venu chercher. Voilà. Un match offensif et se rassurer un peu. Voilà. C'est un match propre aussi, un match sérieux, exactement, de bout en bout. Tout à fait, on a réussi à tenir le ballon un petit peu quand il fallait, à bien se placer en défense, à avoir un jeu au pied cohérent, à travailler encore certaines choses, mais on va essayer de rester vaincu en 2016 et on attend Morlas pour le dernier match à Casanare. Là, c'est un gros match qu'attend. C'est un gros match. C'est le troisième, ils ont une grosse équipe et on va essayer. On attend du monde à Casanare alors. On attend du monde à Casanare dès samedi. Ils étaient septième au classement, je crois, mais bon, il faut les prendre comme toutes les autres équipes et les prendre au sérieux. Et il fallait prendre le bonus et on l'a pris, donc c'est ça qu'il fallait faire. Ils étaient même plus gaillards que nous et ils jouaient. Après, ils n'étaient pas en place dans le jeu, mais bon, on a su faire face. Et il faudra voir maintenant à Morlas, ça sera un plus gros match et il faudra en faire autant, même plus. Parce que c'est ce match-là que vous avez en tête. Hein. Oui, voilà, oui, maintenant c'est Morlas pour finir invaincu en 2016 et ça sera parfait. Voilà. Dernier match à Valère en plus. Oui, voilà, là il faut faire, faire une belle prestation. On était venu ici avec une équipe remaniée, on avait trois nouveaux plus un Balandrade qui arrivait. Donc c'était pas forcément évident à mettre tout ce qu'on avait vu en place auparavant pour eux. Mais on a fait le travail nécessaire et aujourd'hui on s'en sort bien, victoire à mériter. Avec un bonus, c'est important. Oui, important, oui, bien sûr. On met 50 points aujourd'hui, donc c'est bien, on gagne le bonus et c'est bien parce qu'on a une semaine de préparation assez délicate. On avait notamment derrière pas mal d'absents, donc c'est bien, on arrive à jouer comme il faut en ayant des absents, donc c'est parfait. Maintenant, ne pas s'enflammer et bien se remobiliser parce que samedi, il y a un match très important. Oui, ouais, à Morlas, ouais, ça serait bien de finir l'année invaincu, c'est l'objectif qu'on s'est fixé cette semaine. Donc ouais, il nous reste un match avant de boucler cette année et on va essayer de le finir du mieux qu'on le peut.